1830. Bonjour, maman. À Leipzig, j'ai vécu sans le souci d'un avenir déterminé. J'ai rêvé, flâné, et pour tout dire, je ne me suis nullement préoccupée d'assembler deux idées fortes. Et sincèrement, ne te froissant rien de ce que je t'écris avec tendresse, je redoute toujours que tu viennes me barrer la route comme autrefois. Maintenant, j'en sais. Recevez aujourd'hui mon adieu le plus cordial, votre tout dévoué, Robert Schumann. Qu'il me faut consacrer toute mon activité au journal. Je ne peux compter sur personne. Vic voyage, Knorr est malade, Schumke s'exprime peu brillamment avec la plume. Et qui reste-t-il? Le journal a un succès tellement étourdissant que je dois travailler avec ardeur. Elles t'appartiennent, c'est ton bien. Ce que j'ai voulu écrire dans ces danses, ma Clara va les découvrir, car elles te sont dédiées, à toi, tout particulièrement. C'est une fête à la veille de noces. Imagine le commencement et la fin de l'histoire.